Une station de ski sans neige, ou presque. Vision d'horreur ou simple fatalité. Avec un hiver particulièrement doux en France, beaucoup de villages de montagne de moyenne altitude sont confrontés à un manque de neige cette année. C'est le cas au Mourtis dans les Pyrénées, situé entre 1300 et 1800 mètres et où aucune piste n'est ouverte. Un véritable défi à relever pour les années à venir. Les stations désormais ne peuvent plus compter uniquement sur les sports de glisse. Les trottinettes se transforment en snowscoots l'hiver, mais vice-versa, cet hiver il n'y a pas de neige, les snowscoots se sont transformés en trottinettes. Le fat bike fonctionne sur la neige, il fonctionne sur la terre. Le biathlon, on peut le faire toute saison. Au lieu de prendre des skis de fond, ben, on le fait en course à pied ou on le fait en VTT. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant qu'à un moment donné, on peut avoir une saison sans neige. Donc on est bien obligé de l'anticiper. Tous nos investissements de loisirs ont été pensés pour être utilisés toute l'année. C'est le conseil départemental de Haute-Garonne qui gère aujourd'hui la station du Mourtis. Pour elle et deux autres villages, 25 millions d'euros vont être investis sur les 5 prochaines années pour une reconversion touristique 4 saisons. L'ère du ski total semble bien désormais faire partie du passé.